Hey, Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser une grande maison en bois sur Minecraft. Ce que je vous propose présentement devant les yeux, c'est le timelapse de la création initiale de la maison, la première fois que j'ai construit la maison. Et voilà, avec tous mes tests, mes échecs et mes reprises et tout ça, c'est la première fois que je fais ça en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, hein, si ça vous plaît ce genre de format, voilà, où on me voit changer les toits, changer les murs aussi, vous allez voir, changer le sol, faire des tests au niveau des barrières et tout ça. Là voilà, je rebouche un lac que j'avais fait à la base pour mettre des bassins à la place. Oui, donc voilà, tout un tas de tests dans tous les sens. Hein, comme pour, comme normalement ça se fait hein, lors des constructions sur Minecraft. Là vous voyez, j'ai fait un bassin que j'enlève pour mettre une plage artificielle à la place. Voilà, tout ce genre de choses. Voilà, la plage artificielle, donc j'ai galéré pour les parasols. Là. On dirait pas, mais les parasols ça a été un problème. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce format dans les commentaires. Et voilà ce que ça donne une fois que la maison est terminée, avec l'ensemble des piscines ici, la plage artificielle, l'espèce de water feature qu'il y a ici. On va faire un petit tour de la maison, vous voyez, donc avec sa grande toiture et voilà, son espèce de colline artificielle. Hop. Et bien voilà un petit peu l'idée. Je vais vous faire un petit plan vu du dessus. Hop. Et puis voilà, donc pour pouvoir réaliser cette maison, je vous invite à suivre ce tutoriel. On va d'abord et avant tout vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok, donc une fois que vous avez tous ces blocs, on va pouvoir commencer la maison. Alors, premièrement, on va faire un grand carré. Ici, j'ai utilisé une bordure en béton blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de bloc, hein, évidemment, ici. C'est une bordure qui fait 102 blocs entre là, ici, vous voyez le coin et l'autre coin là-bas. Ça fait 102 blocs de long, 102 là-bas, 102, 102. Pour que à l'intérieur de la parcelle, on ait 100 blocs par 100 blocs, puisque les bordures prennent un bloc de chaque côté. Du coup, ça nous fait 100 par 100, d'accord? On va partir du côté de la parcelle qui est côté route, d'accord? Et on va, hop, compter à partir de ce... comment on appelle ça? De ce coin ici. Hop, entre le coin à ce niveau-là, jusque-là, on va avoir 23 blocs. Je vais vous donner du coup hein, toutes les dimensions pour réaliser la colline, l'espèce de mini colline artificielle qu'on a là-bas. Hein. Je vais vous donner toutes les dimensions, ça va être un petit peu long, il va falloir être assez attentif, mais ça va bien se faire. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je commence à faire ici. Donc on a 23 blocs ici jusque là, on va mettre un bloc de roche lisse dans le sol. D'accord? Puis après, toujours dans le sol, on va mettre une grande ligne d'enclume. Sur 19 blocs de longueur, d'accord, et normalement, hop, sur la longueur ici, vous avez 59 blocs ici qui vous restent jusqu'au bord de la parcelle, et entre le coin ici là-bas et le coin là-bas, vous avez 102, puis là-bas aussi, puis là-bas aussi. Ok, donc je vais vraiment faire le tour, je vais partir de là, et je vais vous donner toutes les dimensions pour faire tout le tour ici de notre colline artificielle. Pour revenir là, on fera les marches après. Ok, let's go. Donc on va utiliser des dalles de roche lisse ici pour faire les marches. Vous voyez, donc j'ai mis toutes les marches en roche lisse. Sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé tout un tas de pierres différentes, vous voyez, pour donner un style. Donc avec de la roche, de la diorite, de l'andésite, des roches lisses, tout ça, des pierres. Moi, j'ai utilisé sur le tutoriel des roches lisses parce que ce sont des blocs quadrillés et donc c'est facile à compter. Là, vous voyez, il y a 5 blocs, c'est facile à compter. Alors que là, avec le tuf, c'est moins facile. Mais
Donc là où j'ai utilisé de la roche lisse, vous utilisez un mélange de toutes ces roches, de tous ces blocs dont je vous ai déjà parlé. Hop, donc on va commencer ici, là où on a mis notre premier bloc de roche lisse. Hop, on va mettre dans le sol deux blocs comme ça en vertical, puis deux blocs comme ça aussi, re deux blocs, en diagonale un bloc, re en diagonale deux blocs, en diagonale toujours un bloc, en diagonale encore une fois sur la gauche deux blocs, puis un bloc encore. Puis après on met une ligne de trois blocs par devant sur le sol ce coup-ci, d'accord ? On va repartir sur la gauche ici, on va mettre un bloc en diagonale, puis 2, puis 2, puis 2 encore, un bloc en diagonale, d'accord ? Hop, sur le côté, un bloc de tuf. Le tuf, on va en utiliser vraiment beaucoup, vous pouvez en faire de sacrées provisions parce que vous allez l'utiliser beaucoup. Hop, sur le côté, sur le devant, comme ça en diagonale, vous allez mettre un autre bloc de tuf ici comme ça, et une ligne ici de 5 blocs de roche lisse. On va repartir ici. Hop, en diagonale ici sur le côté, on va avoir une ligne de 4 blocs de tuf. Encore une fois, sur la diagonale par la gauche, on va mettre 4 blocs de tuf. Puis 2 en diagonale ici. On monte de 1 bloc comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des blocs ici comme ça? On monte de 1 bloc par devant et on va mettre une ligne de 3. Sur la diagonale ici, on va mettre 6 blocs de tuf. Sur le côté, on va mettre 3 blocs de tuf sur la diagonale à droite. On monte d'un bloc, on en met un comme ça. Sur le côté, on va remettre un bloc de roche lisse tout simplement. Par devant le bloc de roche lisse, on va mettre 3 blocs de tuf. Sur la diagonale à droite, on va mettre une ligne de 4 blocs de tuf. Encore sur la diagonale à droite, 3 blocs de tuf. On monte d'un cran, on met un bloc de roche lisse sur le côté, et là on a atteint le niveau maximal. Hop, donc ici on va mettre 4 blocs de tuf alignés comme ça. Sur la diagonale à gauche, on va mettre 4 blocs de tuf ici, puis 4 blocs ici, puis 3 blocs ici, puis 3 ici. Allez, ici on va mettre une grande ligne de 8 blocs de tuf. Ici, 3 blocs, puis 2, 1, 1 et 1, puis 2 dans ce sens-là, hop, 2 ici, ici 2, et 4 ici. On monte encore, enfin, on va encore vers ce côté-là, et on va faire une grande ligne ici de tuf de 14. On redescend ici, on fait une ligne de 15 je crois, de 15 ouais c'est ça. On redescend encore, on met une ligne de 9. Hop, on remonte, on met une ligne de 8. Et on remonte, on met une ligne de 6. On redescend avec 3. Puis 2. 2. 2, 2, 3, ici on a une ligne de 13, ouais 13, sur la diagonale à gauche vers le bas on a une ligne de 5, ici 3, puis 2, 2, 1 et 1, puis 2, puis 1, 2, 2, 3, et ici une ligne de 6, ici une ligne de 8, puis 3, hop, une ligne ici de 8 encore, on redescend, on remet une ligne de 12. Ok, maintenant je vais vous donner hop, les dimensions ici pour finir finalement cette grande partie ici. Donc on va partir sur la diagonale en haut à gauche. On va faire une ligne de
hop, 11 blocs. Alors, encore une fois, moi j'ai mis de la roche lisse, vous utilisez un mélange de 4 blocs. Donc de la pierre, de l'andésite, de la diorite, de la roche et des pierres. Et roche lisse. Sur la diagonale en haut à gauche, on en met 3. Hop, puis 1, puis re-1, puis re-re-1, puis 2, puis 2. Et normalement, ça touche le bloc qu'on avait déjà mis ici. On revient à ce niveau-là, vous voyez au niveau du coin et ce niveau-là. Donc, en diagonale vers le bas, à ce niveau-là, on en met 3, puis 2, 1, re-1, re-re-1, 2. Et sur le côté, on va mettre 4 blocs ici de roche, puis 3, puis 2, puis 2, 1, 1 et 1. Et normalement, ici, vous rejoignez la marche. On revient à ce niveau-là, sur le premier bloc de roche ici, on descend d'un cran vers le bas en diagonale et on en met 3, ici comme ça. Puis ici sur la diagonale, on en met entre là et là, il y en a 6. Puis on va sur le côté, on fait 5 blocs de roche. Puis 3 ici, puis 3, puis 1 et vous recollez à l'autre côté. On revient ici, hop, en bas en diagonale vers la route. On en met 3 dans l'alignement. Hein. Puis entre là et là, il y en a 4. Sur le côté 2, on descend, il y en a 3. On redescend, il y en a 5. Et normalement, vous collez à ce qu'on avait fait avant. On revient ici, on descend d'un bloc en diagonale et on en met 2, 2 blocs de tuf. Puis on reprend la roche lisse ou les blocs mélangés sur 2 blocs, puis 2. Puis 2, puis en diagonale ici, on en met 2 encore, puis 3, et 3, normalement vous fermez cette marche là. On revient ici, on en met 1 dans le sol en diagonale, puis 2, puis 1, 1, 2, 1, 1, re 1, re re 1. Un autre, je savais plus combien il y avait de re à dire, donc un autre, voilà. En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 1 bloc en diagonale. Ok. 2 blocs ici, un dernier en tout seul, et re 2 blocs ici, vous collez au reste des enclumes. J'espère que j'ai été clair sur ce passage-là. Voilà, donc normalement vous avez ça, c'était la partie la plus technique, clairement de la construction. Après il y aura les piscines et la toiture qui sont un petit peu complexes, mais sinon vous avez fait le plus difficile déjà. Donc maintenant l'idée c'est que l'on va retirer toute l'herbe qu'il y a à ce niveau là, vous voyez, d'accord? Et on va remplacer tout le trou qu'on vient de faire ici par un bloc d'andésite. Alors je vais reprendre les blocs que j'avais laissés là-bas tout simplement. Hop. Donc voilà, il y a la diorite, il y a la roche lisse, il y a la roche classique, l'andésite, la pierre et la diorite. Hop, et on va tout mélanger comme ça. Hop. Voilà, donc on le place assez aléatoirement. Hop. Tac, 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 tac. Hop, ok. La roche lisse, voilà, paf, 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 etc., etc. Vous avez compris l'idée. Et donc, il va falloir enlever l'herbe qu'il y a ici, évidemment, remplacer toute cette zone-là jusqu'au bord de la marche par tout un tas de mélanges de pierres comme ça. Hop, et pour chaque marche, ça sera la même chose ici. Vous voyez, là, on va remplir la marche jusqu'ici, hein, ok. Pour que, et on va remplir toute cette zone là de mélange de pierres. La même chose ici, la même chose ici. On s'arrête évidemment en dessous de la marge du dessus, hein, forcément. Hop, donc cette zone là pareil, ça sera un mélange. Et la grande zone là-bas aussi, ça sera un mélange. Allez, let's go. Hop,
Ok, donc voilà ce que ça donne. Hein. C'est assez long à faire, mais ça donne, ça rend plutôt bien à la fin. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça, on va utiliser le tuf et on va vraiment faire l'espèce de falaise artificielle, encore une fois, hein, c'est très artificiel tout ça. Vous voyez, pour faire une espèce de dégradé de blocs comme ça, de les poser de manière un peu en fouillis pour que ça soit, ça donne l'impression de rocher. Ok, donc l'idée, c'est que l'on va... utiliser du tuf et on va mettre sous les blocs de tuf qu'on a déjà mis sur toute la longueur ici, sur toute la largeur, tout le contour de notre plateforme pour l'instant. On va les mettre en dessous comme ça, tout simplement, et on va vraiment faire des murs pour faire le contour total de la... Hop. Hop, tac, tac. Le contour total, voilà, comme je disais, de la plateforme qu'on vient de faire, hein, incluant les escaliers qu'on avait commencé, bien sûr. Tac, 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 voilà. Et on fait tout ça sur toute la longueur de notre plateforme. Allez, let's go. Ok, voilà ce que ça donne, hein, donc. Hop. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va mettre... un peu la même chose mais dans le sol, c'est-à-dire que à partir de là on va creuser le sol, on va mettre une ligne hop, qui va faire tout le tour de la... j'ai envie de dire de la maison mais en fait non, c'est de la colline, hein, l'espèce de colline comme ça, et on va remplir hop ici une ligne de tuf directement dans le sol comme ça, ok, et on va en faire deux couches comme ça. D'accord, alors pas au niveau de l'escalier, mais ici dès que vous avez un mur de 3 blocs de hauteur, on va rajouter une ligne de tuf. Tac, 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 hop, ok, pour que, pour faire le fond, en fait, tout simplement, des rochers. On fait ça, donc, deux lignes qui sont creusées dans le sol, on remet du tuf par-dessus. Allez, let's go. Hop, une fois que l'on a fini nos murs, on va pouvoir faire la falaise finalement elle-même. On va mettre plein de blocs un peu de manière aléatoire, de sorte d'avoir un peu de trous un peu partout. Et on va mettre de la diorite un peu de temps en temps, histoire de donner une touche de blocs blancs pour contraster pas mal avec le tuf. Hop, je vais vous montrer ici, il va falloir faire tout le tour de la maison comme ça. Hop, on va mettre des blocs de tuf de manière un peu aléatoire, comme ça, un peu random. Hop, tac, 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 tac. Pas au-dessus comme ça, vous voyez, vraiment dans le prolongement au maximum. Hop, au minimum. Hop, tac, 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 tac. Hop, hop. Voilà, donc on va vraiment essayer de faire un truc comme ça avec beaucoup de blocs placés de manière aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois qu'on a fait ça, on essaie de donner du volume aussi, hein, aux choses, hein, vraiment à l'espèce de falaise. Hop, comme ça. Voilà. Bon, voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir répéter. On va rajouter des diorites. Hop. Pas trop, juste, voilà, quelques-unes, un peu comme ça. Là, c'est un petit peu trop même, d'ailleurs, vous voyez. Et on va refaire ce truc-là, ben, sur toute la surface, toute la longueur de la maison. Ok. Alors, allez, let's go, hein. Ok, voilà ce que ça donne du coup au niveau de notre falaise artificielle. Alors, j'en ai aussi profité du coup pour mettre en place la forme des différents bassins, hein, la piscine, le bassin et la plage artificielle. Et puis voilà, voilà ce que ça donne. Ok, normalement vous devriez avoir un résultat un peu comme ça. Donc du coup, une fois qu'on a ça, on va passer directement au bassin. Hop, on va venir au niveau des marches de notre escalier à ce niveau-là. On va prendre la deuxième marche, vous voyez, donc le bloc de tuf qu'on avait mis au niveau de la deuxième marche, tout simplement. On va aller en dessous, hop, et de deux blocs sur le côté, on va mettre notre premier bloc ici, comme ça, vous voyez, avec un bloc de décalage.
D'accord. Hop, un autre bloc sur le côté ici, et à ce niveau-là, vous avez normalement une ligne de tuf qui rejoint complètement la falaise. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de trou entre ce niveau-là, vous voyez, et l'extérieur pour que l'eau puisse couler à l'extérieur. Faut éviter ça. Donc, on a deux blocs ici comme ça, ok. Youp, je vais me mettre ici au-dessus et on va recompter les blocs de la même manière qu'on avait fait sur la grande truc du départ. Donc on a deux blocs ici comme ça. En bas à droite, on en a en diagonale 2, puis un diagonale, un en diagonale, 2, 2, 2, 3, 4, on remonte, 3, 3, pour bien voir, 3 ici d'un coup, 1, 2, 3 et 4 en diagonale, 2, puis 2 encore, ici une ligne de 4, puis une ligne ici de 7, on revient, on a 4 ici, puis 3, puis on revient en diagonale jusqu'à toucher notre falaise de départ. Ok, donc ça va être vraiment la piscine, ok. On va vraiment faire aussi une falaise en rocher, là aussi. Donc du coup, toute la ligne qu'on vient de faire à ce niveau-là en tuf, on va la monter à 3 blocs de hauteur. Tac, 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 et hop. Voilà ce que ça donne, hein, voilà. Alors, on va directement faire la même chose ici pour ce bassin-là. Donc là, ça va être un water feature, hein. Là-bas, donc avec des îles, un arbre et tout ça, des cascades. Hop, je vais vous donner les dimensions. Alors, pour avoir un point de repère fiable, c'est compliqué de prendre des points de repère par rapport à la falaise. Donc, on va partir de coin ici. Vous voyez, donc on est vraiment à l'arrière de la maison. Ok, à ce niveau-là, on va partir du coin. D'accord. On va compter, hop, sur le côté comme ça. 33 blocs vers l'avant de la maison, puis sur la ligne ici, on va rejoindre tout simplement la falaise qu'on avait fait. Voilà, et sur la longueur ici, vous reprenez, imaginons que votre falaise soit comme ça, hein, et bien tout simplement vous mettez des blocs comme ça, pour laisser entre ici, vous voyez, entre ici et ici, juste avant le bord de la parcelle, on a 11 blocs, d'accord. Donc 33 blocs jusqu'ici et 11 blocs jusque là, puis après on met nos blocs de tuf jusqu'à la falaise. J'espère que c'est clair. Donc normalement vous avez ça, d'accord. Alors on va se mettre, ok, par rapport à la maison, on va se mettre dans ce sens là, hein, d'accord, donc avec la route vers le bas de l'écran. Hop, et je vais vous donner les dimensions comme pour les autres. Donc on a ça pour l'instant. On va partir sur la diagonale en bas de deux blocs. On met deux blocs encore en diagonale, puis 1, puis re-1, puis 2. 2, ici 3, puis hop, ici 9, puis on revient de l'autre côté, on en a 4. Puis 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5 blocs en diagonale, puis 2, puis 3, puis 4, ici jusque là on en a 7, ici on remonte on en a 3, puis 2, 2 encore, 1, 2, 3 et 4 en diagonale, bloc de 1, ici 2, 2, 2, 2, ici comme ça, et normalement vous rejoignez votre falaise, ok. Et donc là, de la même manière, on va mettre un mur de 3 blocs de hauteur qui va vraiment coller à la falaise, hein, jusqu'à ce que ça soit complètement étanche. Hop, paf, paf. Hop, voilà ce que ça donne.
Du coup, maintenant, on va directement faire la délimitation pour la piscine, enfin pour la plage ici à ce niveau-là, d'accord? Donc, pour prendre des repères, on va partir du coin ici en bas à droite de la parcelle. Vous voyez donc hein, ce coin ici. Hop, on va partir de ce bloc-là et on va compter vers l'avant. Hop, 18 blocs. À partir du 18 blocs, on va sur le côté ici, on creuse dans le sol, on fait une ligne de 11 blocs, ok, puis un bloc de 2, une ligne de 2, re une ligne de 2, 1, 2, 3, 4, 5 en diagonale, jusqu'à rejoindre en fait notre mur ici. Hop, on revient en arrière, là où on était ici au départ, on va compter, donc 1, 2, et 3 blocs en diagonale, puis une ligne de 2, puis creuser dans le sol une ligne de 6, puis une ligne de 3, puis une ligne de 5, voilà, j'ai eu du mal, une ligne de 3 ici en diagonale vers l'arrière, ici 3 en diagonale encore, 3, 2, 1 et 2 blocs en diagonale, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 3 blocs en diagonale et normalement vous retombez sur le mur dont qu'on a fait juste avant. Ok, donc toute cette forme là normalement vous l'avez et ce que l'on va faire c'est qu'on va enlever toute la terre qu'il y a à l'intérieur. Hop, ok, voilà, donc ça nous fait des grands trous. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire vraiment le fond des bassins, hein, ici, là et là. On va pas mettre les mêmes blocs à chaque fois. Ici, donc dans la plage, on va creuser un bloc en plus, vous voyez, de profondeur, surtout de la largeur, hein, surtout de la surface. Et on va y mettre du sable. Hop, d'accord, on va remplacer le fond par du sable. Tac, 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 sur toute la surface ici. Hop, voilà, une fois qu'on a ça, on va sur le bassin d'à côté ici et on va mettre le fond en gravier. On va creuser, hop, dans le sol et on remplace, alors là je mets de l'andésite, hop, gravier, gravier, voilà, paf, voilà, et on change le fond en gravier. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, le dernier bassin, eh bien, on va mettre du béton bleu au niveau du sol. On va changer le sol et on va mettre du béton bleu, comme ça, sur toute la surface. Et hop, ok, une fois qu'on a ça, maintenant, sur le trou ici qu'il y a entre les deux parties, vous voyez, entre les deux bassins, eh bien, on va modifier un petit peu notre falaise pour pouvoir mettre des escaliers. Hop, je vais vous montrer ici, vous voyez les cascades ici, ça j'aime bien. Alors, des escaliers du coup que l'on va faire en dalles, donc avec en dalles de roche lisse, de diorite, d'andésite, de pierre, tout ça, d'accord? Et on va les faire entre 2 et 3 blocs de large à chaque fois, les escaliers. Et une fois qu'on aura mis les escaliers par-dessus, on refera les falaises autour des murs qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, une partie de la falaise ici, on va l'enlever. Alors oui, hop, je vais faire un petit... Ah oui, alors j'ai pas mon skin, je suis en mode hors ligne, tout ça. Beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les dernières vidéos que cela les embête lorsque je construis des choses, comme ici, là je viens de faire une plateforme. Et après j'enlève des choses pour pouvoir en mettre d'autres à la place. C'est comme ça que je build, c'est comme ça que je fais moi-même quand je construis. Donc c'est comme ça que je vous présente les choses également. Donc voilà, je construis des trucs et j'en enlève certaines après coup. Parce que c'est plus facile à expliquer de cette manière. Donc voilà, je fais comme ça. S'il y en a qui râlent, bah tant pis. Hop, voilà, donc on va faire une première marche ici, comme ça on va enlever un petit peu les blocs, tac tac tac. Alors une marche qui va commencer ici, je vais faire les marches en andésite moi, parce que comme ça va être plus facile à expliquer pour le tutoriel, mais évidemment vous mélangez les blocs entre eux. Hein.
Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok. Donc, en commençant ici, donc vous prenez la portion de... Ben voilà, qui est entre les deux bassins, tout simplement. Hein. De cette manière. Hop, on fait une autre marche comme ça, en suivant évidemment la ligne de mur qu'il y a à côté. Hop, hop, les contraintes. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Tac. Voilà, de deux blocs de large à chaque fois. Je vais alterner diorite, enfin andésite et dalle de roche d'ailleurs. Parce que ça va être plus simple à expliquer après. Voilà, donc on fait des marches de cette manière en s'arrêtant toujours au bord des murs qu'on avait ici. Hop, évidemment. Tac, 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 vous avez compris l'idée. Et puis on va jusqu'au sol comme ça. Hop. Voilà pour l'escalier. Alors, évidemment, vous, de votre côté, vous ne faites pas ça en diorite et en rogis. Hein. Vous mélangez tout ça. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre l'effet rocher, l'effet falaise, là, comme ça, justement, avec le tuf dans tous les sens, sur l'ensemble des parties à l'intérieur et à l'extérieur des murs qu'on a fait juste avant. Concernant du coup l'escalier, hein, puisque là ici vous voyez, eh bien, on va un peu mélanger les choses, eh bien il faut enlever une partie de l'escalier. Vous voyez, comme je vous disais juste avant, hein, j'enlève des choses puis j'en fais d'autres après à la place. Voilà, c'est plus simple pour moi. Hop, vous le faites passer à côté de l'escalier ou dedans ou au travers. Il faut que l'escalier et l'effet des rochers justement se mélangent complètement. Vous voyez, hop, hop, comme ça, hop. Tac, hop, etc, etc. Hein. Donc voilà, on fait la même chose ici, sur toute la surface, sur toute la longueur. Moi, de mon côté, sur ce tuto-là, je vais pas forcément le faire pour gagner du temps. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de faire ça. Hop, tac, tac, pour que cela ressemble à ça au final. Vous voyez, comme c'est un petit peu plus petit... Eh bien, ça sera plus simple à faire. Sur ce grand bassin-là, il va falloir faire des cascades aussi au travers de des roches, finalement. Ça, c'est peut-être quelque chose de particulièrement sympa. Hop. Hop. Et je vais vous montrer ici aussi sur la partie de l'escalier. Paf, 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 paf. Hop. Etc, etc, hein. Hop, on aura compris, on fait ça assez rapidement. Voilà, normalement ça ressemble à peu près à ça, hein. Et l'idée c'est qu'il faudra faire des cascades tout simplement là-dedans. Hop, donc on va ouvrir genre quelque chose comme ça, un passage de deux blocs de large et vraiment sur le côté de la plage en dessous. Enfin c'est pas une plage mais... une mare, quelque chose comme ça. On décale un peu, on va essayer de se mettre à peu près au centre, à peu près ici, et on refait une ouverture de deux blocs. Hop, on met un fond à un bloc de profondeur, ça sera plus facile pour mettre de l'eau. Hop. Et on ouvre aussi sur le côté ici, par exemple, voilà, sur deux blocs de large encore. Et on mettra l'eau plus tard. On va finir avec la plage ici. Voilà, donc pareil, hein, il faudra faire le tour... ici, à l'intérieur et à l'extérieur de cette forme de falaise là, sans pour autant dépasser de la parcelle. C'est un peu le jeu. Ok, donc on va faire la plage maintenant. Voilà, donc j'ai mis la délimitation, le contour de la plage, hein, ce qu'il va y avoir vraiment en sable. Donc, je vous invite à aller sur le coin ici, entre la pelouse et la truc là. Prendre le premier bloc d'herbe, aller sur le côté, mettre un bloc de sable et faire une diagonale, donc une diagonale jusqu'à rejoindre votre mur en tuf et une diagonale à partir de là, nous on va compter à partir de là. Ah non, à partir du mur en tuf, ça sera le plus simple, c'est tenté que je... Et bon bref, alors le mur en tuf, on va dire qu'il commence à partir de là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs de sable en diagonale à partir du mur en tuf. Hop, on va se mettre dans ce sens là pour être dans le même sens qu'avant.
On met maintenant deux blocs de sable, une ligne de 2, encore une ligne de 2 en diagonale, une ligne de 3 en diagonale, ici une ligne de 4, on revient par l'autre côté avec une ligne de 2, 1 et 2 blocs en diagonale, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 1 et 2 blocs en diagonale, 3, ici il va, hop, ici donc c'est 5 blocs de long, 3 ici, ici 6, on revient sur 2, 2, 1 et 1, et normalement vous avez un bloc de décalage par rapport au bord ici. Pour avoir vraiment un repère, vous voyez votre bloc de parcelle à côté de notre bloc de sable, entre là et le coin ici, il y a 15 blocs. Voilà, de l'autre côté là-bas du coup, on va venir prendre l'ouverture qu'il y a ici, donc on prend ce bloc là, on compte 1, 2, 3 et 4 à ce niveau là, d'accord. Puis on va sur le côté, on en met 2, et 1, 2, 3, 4, et en tout cas tout le nombre de blocs qu'il faut, deux blocs en diagonale jusqu'à rejoindre le mur en tuf qu'il y a ici avec toute la décoration avec. L'idée maintenant c'est que on va rendre toute la partie verte ici qu'il y a à l'intérieur de notre ligne de sable qu'on vient de mettre, on va la changer en sable aussi. Ok, donc hop 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 comme ça, hein. Tac tac tac, et voilà, paf, et toute la surface comme ça, et hop, voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va faire un dégradé entre la plage qu'on a mis ici, sur laquelle on va mettre des transats, hein, vous voyez là-bas avec deux parasols. Eh bien, entre la plage qu'il y a ici et l'escalier, eh bien, on va mettre tout un tas de blocs de sable posés de manière assez aléatoire, comme ça, sur le sol. Vous voyez, hop, en mettant à peu près autant de blocs de sable qu'il y a de blocs d'herbe. Hop, voilà, pour qu'on voit que ce soit un truc un petit peu... qu'il y ait du passage, quoi, on va dire. Ok, une fois qu'on a ça, eh bien, ça serait pas mal de mettre de l'eau. Du coup on va utiliser alors un seau d'eau déjà bien évidemment, mais aussi on va pouvoir ajouter des comment on appelle ça, des rochers artificiels en andésite. Donc on va utiliser des dalles en andésite ainsi que des blocs d'andésite, et on va venir ici par exemple, hein, dans le coin où il y a trois blocs en diagonale, ok, mettre hop un espèce de rocher comme ça, hop, paf paf, tac tac tac, vous voyez, et on va rajouter du coup des blocs de dalles un peu partout histoire de donner un petit peu de relief un peu sympa au rocher lui-même, voilà. Histoire de donner une décoration en fait, hein, tout simplement, c'est une décoration. On va mettre un deuxième rocher comme ça ici sur la grande partie ouverte à ce niveau là, mettons comme ça, hop, tac 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 tac, admettons, hein. Puis on rajoute des dalles histoire de faire quelque chose d'un peu plus naturel, en tout cas on va essayer. Voilà, histoire que ça ressemble un peu à un vrai rocher. Ok, puis on rajoute de l'eau. Hop. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire directement le petit... les transats et parasols qu'il y a ici. Donc pour les transats, on va utiliser des escaliers en sapin, comme ça. On va en mettre un petit peu, trois en coin. Hop, 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 avec des dalles en bouleau. Et ça nous fait un transat ici avec accoudoir. Eh oui, ça c'est stylé. On va en faire un autre ici sur le côté. Tac, 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 tac. Ok. Et deux autres ici aussi comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Ok, on rajoute deux parasols. Un ici derrière
avec des barrières en sapin, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur. Ici, à côté aussi de ce transat là, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Une fois qu'on a ça, on va utiliser des ficelles parce que ça va nous permettre de faire tenir des tapis. On va les mettre autour du dernier bloc de barrière en haut du parasol. Je ne sais pas si on les voit bien, mais ici, vous voyez, il y a tout un tour de ficelles autour du poteau. On va rajouter, hop, comme ça, 1, 2, 3, 3 blocs de chaque côté. 3 blocs de ficelle, histoire que ça fasse quelque chose un peu comme ça. J'espère qu'on voit bien. Après, le but, c'est justement qu'on ne les voit pas très bien. Hop, on rajoute les tapis bleus par-dessus. Tac, tac, tac. Ok, et on va rajouter des dalles en chêne, hop, comme ça, pour faire le contour. Tac, 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 ok. Ok, et on va rajouter un aussi, pif, en plein milieu, comme ça. On fera l'autre parasol exactement de la même manière. Hop, enfin vous le faites, moi je vais gagner du temps, et je vais pas tout vous montrer non plus. Hop, on va prendre du coup maintenant les blocs de dirt, donc comment ça s'appelle en français, je sais plus. De terre, je crois peut-être. Terre crue. Ou de la terre, tout simplement. Et on va faire des îles ici sur cette partie-là, vous voyez dans le bassin ici, des îles avec des fleurs, des arbres et tout ça. Ok ? Donc, il va y avoir trois îles, une ici sur le côté, hein, qu'on va faire, hop, un peu comme ça, voilà. Mais là, pour l'instant, on fait vraiment le fond de l'eau, donc il n'y a pas besoin que ça soit vraiment très, très, très propre, très clean et tout ça. Parce que de toute façon, les gens ne le voient pas. Hop, on va faire la partie du dessus après, comme ça. Donc, la partie du dessus, on va plutôt mettre de l'herbe. Hop, donc là c'est la partie qui va se voir. Hop, ok. Vous avez compris l'idée. Et sur ce genre d'île, eh bien on va rajouter tout un tas de fleurs, de végétation, de choses comme ça. Donc c'est l'île qu'on a fait ici. C'est pas tout à fait exactement la même. L'idée, c'est qu'on va utiliser des nénuphars et les mettre d'un certain côté des îles. Ici, vous voyez, les nénuphars, je les ai mis du côté gauche, un peu en dessous de l'île. C'est-à-dire en dessous, ce que j'appelle en dessous, c'est vraiment côté route. Et ça sera la même chose ici. Vous voyez la grande île ici. Pareil, les nénuphars sont mis du même côté. Hop, les nénuphars sont du même côté ici aussi pour la dernière île. Hop, l'idée, c'est que cette grande île ici, vous voyez, on puisse faire un gros pâté en plein milieu du bassin, hein, comme je vous avais montré, mais en plus gros. Et après, de lui donner une forme un peu en croissant, comme ça, avec une partie avec un peu moins d'eau, avec juste un bloc de profondeur. Ce qui nous permet, en fait, de mettre des cannes à sucre directement les pieds dans l'eau. Vous voyez, là, on est à deux blocs de hauteur, donc il reste un bloc avant la surface. Et on peut mettre des cannes à sucre directement comme ça. Ce qui permet de les faire les pieds dans l'eau, ce qui est plutôt assez sympathique. Puis voilà, donc pour la... Il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis au niveau des îles, hein. Ce que je vous montre là, c'est vraiment de l'à peu près, parce que c'est... L'idée, c'est juste d'avoir trois îles dans le bassin, une de chaque côté un peu petite et une grosse au milieu. Après, la forme de l'île elle-même n'importe pas vraiment. C'est juste, voilà, je vous fais le contour ici vite fait, mais hop, c'est pas un besoin extrême, vous voyez, d'avoir une forme particulière d'île. Vous voyez, vous partiez de ce genre de forme et on refait étage par étage exactement comme on a fait sur l'île d'à côté. Et la même chose là-bas avec une autre petite île, hop, ici comme ça, hein, dans l'idée... Tac, tac, tac. Et on monte après aussi. L'idée, c'est que on va rajouter plein d'eau partout, histoire que qu'on voit un peu ce que ça donne. Hop, hop. Voilà, j'ai mis directement les trois hauteurs d'eau. Hop. Et vous voyez que ça coule directement sur les cascades. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter quelques, voilà,
quelques sources d'eau, là où ça, histoire de rendre les cascades un peu, petit peu plus impressionnantes qu'elles ne sont. Hop, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, l'idée, ça sera de rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation, comme je le disais. Donc, avec des groupes de fleurs, ici, comme ça. Alors ça, j'avais jamais vu ces fleurs-là, ça doit venir d'une génération très récente. Ce sont les planturnes. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est très joli. Donc voilà, on en fait un petit paquet ici. Quelques fleurs, genre les fleurs qui sont d'un seul bloc de hauteur, vous voyez, genre les tulipes, les coquelicots. On peut les répartir un peu partout sur les îles. En gros, l'idée, c'est que plus une plante est basse, finalement, plus on peut la répartir de manière aléatoire sur l'ensemble du paysage. Par exemple, ici, les pétales de rose sont juste, sont collées au sol, elles ont la même taille qu'un tapis, quasiment, pas tout à fait. Et donc, celles-là, on peut vraiment les mettre absolument partout, un petit peu, mais partout. Vous voyez ? Alors que plus les plantes sont grandes, alors les fougères ou les lilas qui font deux blocs de hauteur, là on va plutôt les regrouper entre elles plutôt que de les repartir de manière aléatoire sur tous les terrains. Évidemment l'arbre, bah, on n'en met qu'un en plein milieu. Voilà. Et effectivement, comme je le disais, les cannes à sucre qui poussent les pieds dans l'eau, ça c'est très très stylé aussi. Dans l'eau elle-même, on peut rajouter des corails, vous voyez, des coraux, pardon. Oh là là, je ne parle pas très bien la France. Des coraux, donc coraux de feu, coraux bulles, enfin coraux d'un peu tout ce que vous voulez, ainsi que des lanternes aquatiques. Moi j'ai rajouté pas mal de lanternes aquatiques, même beaucoup beaucoup, à un bloc de profondeur, pour que on puisse y voir quelque chose pendant la nuit. Voilà les histoires. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire vraiment pour finir le jardin avant de passer vraiment à la maison, parce qu'on n'a pas encore commencé la maison, il y a deux choses à faire. C'est faire, vous voyez, cette espèce de petite plage artificielle sur la piscine et les arbres ici. Hop, les arbres, on va tout simplement utiliser des barrières en chêne ainsi que des feuilles en bouleau. Hop, et donc on va en mettre plusieurs. On va en mettre une, par exemple, à côté de la route, ici, comme ça. Une autre ici. On va les espacer en général. Hop, 9-10 blocs, environ 8-9-10 blocs d'espacement entre chaque barrière, entre chaque arbre. Vous voyez, à la louche, encore une fois, c'est vraiment pas... hop, vous voyez comme ça. Là, c'est un peu pour vous montrer les espacements. Ok, on va rajouter d'autres ici. Hop, un ici, 2 et 3. D'accord. Voilà un peu les emplacements. Et on va les faire en mettant des barrières les unes sur les autres pour faire un tronc de 6 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et les blocs de bouleau, par contre, on va les espacer pas mal. On va... Hop. On va pas hésiter à faire voler des feuilles dans les airs sans que ça touche le tronc. Hein. En fait, c'est pas bien grave. C'est de l'agencement. C'est du paysagisme. Si j'ose exploiter, utiliser le terme, vous voyez, et donc il faut rajouter pas mal de feuilles, hop, un peu comme ça, dans ce style, hop, yep, vous voyez, ce genre de choses, en essayant de faire quelque chose d'harmonieux, évidemment. Yep. Voilà, et l'idée c'est que vous refaites la même chose pour chaque emplacement que je vous ai montré. Comme ça c'est pas mal. Alors ici, au niveau de la piscine, parce que là du coup ça sera la piscine, on va prendre, vous voyez le coin à ce niveau là, à côté de l'escalier ici, on a toute une ligne de tuf, et ici on a un petit décalage. On va prendre les deux premiers blocs, hop, comme ça, de tuf de ce décalage. Et on va utiliser des escaliers en diorite. Hop, escalier en diorite. Et on va venir faire une petite plateforme. On va mettre deux blocs d'escalier comme ça. Hop. De prendre de la diorite.
et on va venir combler tous les trous qu'il y a, vous voyez, comme ça, dans notre... Hop, dans notre falaise, finalement. Petite falaise. Hop, vous voyez, et on va faire une espèce de plage. 1, 2... Comme ça, 1, 2, 3... Est-ce que c'est pas mal comme ça? Oui, la forme est assez sympathique. On va rajouter un petit peu comme ça. Voilà, on va faire une forme comme ça. C'est-à-dire que, ici, par rapport aux 3 blocs que l'on a en tuf ici, vous voyez, donc là, vous avez la diagonale jusqu'au mur. Hop, puis 3 blocs de tuf. On va prendre celui du milieu, mettre un bloc de diorite sur le côté. 3 blocs ici, comme ça, de diorite. Puis 2. Puis ici, 1, 2, 3, 4 en diorite. Puis re, 2. Et puis après, en diagonale jusqu'au mur. On en met aussi en dessous. Paf, paf. Hop, paf, 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 paf. Ok. Voilà, très bien. Et ici, on mettra un petit transat avec un parasol, donc comme je vous ai déjà montré. Et 4 transats ici, comme ça, vous voyez. Comme ça, c'est pas mal. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre l'eau. Alors bon, pour l'instant, j'ai pas fait le reste des falaises ici en tuf, mais bon. Hop, on va rajouter l'eau quand même. Ok, voilà donc. Ok, donc, ben maintenant, je vous ai montré comment faire le jardin. On va vraiment passer à la maison. Ok, donc j'ai placé la base des piliers sur le socle ici. Donc je vais vous donner les dimensions pour pouvoir réaliser la même chose. C'est assez difficile en fait de savoir exactement où placer les blocs. Donc il va falloir être méthodique. On va prendre le coin, ici vous voyez, de la parcelle. On va compter. Hop. Alors j'ai mis un repère ici, jusqu'à 45 blocs, d'accord? De là-bas jusqu'ici, 45 blocs. Et une fois qu'on a notre 45e bloc, on va compter 29 blocs dans ce sens-là, d'accord? 29 blocs dans ce sens-là, et on arrive à un niveau, hop, on arrive exactement sur ce bloc ici. Paf, alors vous, c'est pas forcément de la diorite, hein, mais l'idée c'est que peu importe le bloc que vous avez, vous mettez une bûche de bois face vers le haut, comme ça. Donc de chaîne. Ok, et on va faire l'ensemble du pattern au sol de la maison à partir de ce bloc ici. D'accord? Alors, je vais vous donner quelques indications. Il y a toujours systématiquement 5 blocs d'écart entre chaque bloc, chaque pilier que vous avez ici. Pour l'instant, c'est pas des piliers, mais on va en faire des piliers. Entre chaque bloc ici, il y a 5 blocs d'écart à chaque fois. Donc normalement, rien que là, vous devriez pouvoir reproduire le pattern. Je vais vous les donner quand même, les dimensions à chaque fois. Donc entre ce bloc là et ce bloc là, entre les deux il y a 5 blocs. Au 6e bloc vous placez celui là, plop, 5 blocs entre les deux. 6e bloc on place la bloc de bûche, etc, etc. 5, une bûche, etc. Donc par rapport à notre bûche de départ, on met 4 blocs ici en ligne, espacés de chaque 5 blocs à chaque fois. On fait 5 blocs d'écart. On en met un à côté, on n'en met pas derrière, on en remet un ici, au même niveau que l'autre là-bas, puis 3 comme ça. D'accord? C'est passé de 5 blocs à chaque fois. On réespace de 5 blocs, toujours sur la même ligne par rapport aux deux autres, on met un bloc de bûche ici, puis on en met 1, 2, 3, 4, 5 autres, toujours dans l'alignement comme ça, vers le fond, avec 5 blocs d'écart à chaque fois. Hop, on va sur le côté encore, on met une barrière en chaîne, ici comme ça, d'accord? On remet 5 blocs devant, un autre bloc de bûche, d'accord? Et tout au fond là-bas, au même niveau que le dernier là-bas, on remet un bloc de bûche ici. Ok. On réespace de 5, on refait exactement la même chose, d'accord? On réespace de 5, on refait la même chose. On réespace de 5, et là, ça sera la même chose que là-bas, sauf que le premier, ça sera une barrière. Donc on met une barrière ici, 5 blocs, une bûche, 5 blocs, une bûche, 5 blocs, une bûche, 5 blocs, une bûche, 5 blocs, une bûche. Donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs de bûche, un bloc de barrière.
passer de 5 à chaque fois. On réespace de 5 ici, on met dans l'alignement une autre barrière. Hop, 5 plus loin, une bûche. 5 plus loin, rien du tout. 5 plus loin, rien du tout. 5 plus loin, une bûche alignée avec l'avant-dernier de la ligne d'à côté. On réespace de 5 ici, on met une barrière. Puis 5, une bûche. Une autre bûche, une autre bûche, une autre bûche. 4, et normalement vous êtes aligné avec celui à côté là-bas. Hop, on réespace de 5 ici, on met rien du tout. On avance de 5, on met une barrière. On réavance de 5, on met une barrière. On réavance de 5, on met une barrière. Donc 3 barrières ici. Normalement, vous devriez pouvoir avoir ce pattern là. Normalement. Maintenant, on va mettre les piliers en place. On va réutiliser les bûches de bois et on va faire les piliers. Alors, les piliers sur lesquels j'ai mis un bloc orange. Vous voyez donc cela. Hop, un petit sur le côté et l'autre ici. Ils vont être mis à 16 blocs de hauteur. D'accord ? Donc, hop, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà, donc la même chose pour chaque ici, hein, les 4 derrière, le petit sur le côté et les 5 de l'autre côté ici. Vous voyez, vous avez une sorte de grand carré central. Hop, comme ça. Ça correspondra à la grande partie, forcément, de la maison. Et les piliers du côté à 16 blocs. Allez, let's go. Ok, donc une fois qu'on a ça, vous voyez, entre les rangées de piliers ici, on a 3 blocs à ce niveau-là, puis 3 blocs là-bas. On va mettre ce ici, là, tac, tac, et ceux-là, la même chose là-bas, hein, celui-là et celui-là. Ceux du centre, on fera après. On va les mettre à 22 blocs de hauteur. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. D'accord ? Et la même chose pour celui en face là-bas. Hop, de l'autre côté là-bas. Et ici, là-bas aussi. Let's go. Hop, ok. Alors, les deux blocs du milieu, ici, on va les monter à 27 blocs de hauteur. D'accord. Hop, donc on va les mettre à 22 comme les autres, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Youp, la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ok, on va partir sur la partie droite maintenant et on va faire les piliers qu'il y a de ce côté-là. D'accord. On va prendre celui qui a tout au bout ici. Ok. Hop, et il va être à 22 blocs de hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Comme l'autre là-bas, je crois, normalement. Hein, moi que j'ai fait une erreur. Non, ceux-là, ils sont à 22. Ça doit être celui-là, du coup, il manque un bloc. Ouais, 22, du coup. Hop, celui à côté, ici, à ce niveau-là, il est à 18 blocs de hauteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. On revient comme ça. Celui-là qui est en face, à ce niveau-là, il est à 15 blocs de hauteur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Et les autres, celui à côté ici et les 4 premiers, à ce niveau-là qu'on avait fait tout à l'heure, vont être à 12 blocs de hauteur. Hop. Ok, donc on a fait ce côté-là, maintenant on va faire l'autre côté de la maison, ici, donc les bûches de ce côté-là. Hop, les deux bûches ici, sur cette ligne-là, tac et tac, elles vont être à 17 blocs de hauteur. Donc juste un bloc de plus que les piliers à côté, paf, comme ça, normalement c'est bon. Hop, voilà, 17 et 17 aussi l'autre côté. Hop, voilà. Et les 4 ici qui restent, on va les mettre à 12 blocs de hauteur, comme ceux de l'autre côté là-bas. 12, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et les 3 pareils. Hop. Hop, ok. Donc maintenant qu'on a mis les grands piliers principaux, on va pouvoir mettre les poutres, puis qu'on va relier les piliers entre eux à partir de chaque étage qui vont faire 6 blocs de hauteur. On va compter à partir de la base des piliers, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, et au sixième bloc, paf, on va mettre des poutres comme ça. D'accord ? Donc sur ce côté-là de la maison, on va les mettre dans cette direction-là, car on va les faire venir jusque
jusqu'aux barrières ici comme ça. On va faire monter les barrières de sorte à soutenir les poutres. On va venir mettre des poutres qui vont venir comme ça jusqu'au-dessus des barrières sans les faire dépasser, ça serait pas mal. Hop, vous voyez l'idée. On va faire ça sur toute la longueur ici. Bon, il en reste deux, je le fais avec vous rapidement. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, normalement c'est bon. 6, ok. Voilà, donc ça c'est fait. On va faire la même chose ici pour ces trois barrières-là. Ok, donc voilà ce qu'on a fait. Hein. On les a mis au-dessus des barrières. Maintenant, les barrières, on va toutes les faire monter jusqu'aux poutres, comme ça. Hein. Tac, tac, tac. Ok, donc une fois qu'on a ça, maintenant on va relier toutes les poutres entre elles par d'autres poutres. En gros, hop, ici comme ça jusque là, puis l'extrémité des poutres entre elles, paf, tac, 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 comme ça. Ici on n'en met pas dans le coin, on les rejoint ici comme ça, hop, hop. Et maintenant, on va refaire les poutres à l'intérieur de la maison, ce qui fait qu'en fait, tous les piliers ici, comme ça, tac, tac, entre eux vont être reliés. Hop, je vais vous montrer, tout simplement. Hop. Hop. Voilà, donc j'ai mis les poutres pour le premier étage, et voilà ce que ça donne. Donc, lorsqu'on regarde de haut, on voit que, hop, ici, il y a toute cette partie-là qui a été reliée, tous les piliers entre eux ont été reliés, sauf au niveau du centre. Ici, on a fait un grand carré central où on a relié tous les poutres, tous les piliers entre eux. Et rien au milieu parce qu'il n'y a pas besoin. Et sur la partie sur le côté, voilà, on a fait un petit quadrillage ici. Et ici, comme ça. Voilà, j'espère que c'est suffisamment visible et lisible pour vous. On va faire un autre quadrillage, du coup, au deuxième étage. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs de hauteur pour mettre les nouvelles poutres. Et comme vous le voyez, on arrive pile sur la hauteur de ces poutres-là, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Donc on va faire les poutres du deuxième étage. Ok, voilà pour le deuxième étage, donc les poutres du deuxième étage. Ici, sur cette partie-là, tac, 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 on a relié tous les hauts des poutres, des piliers ici. Hop, comme ça, hein. La même chose sur le grand carré au milieu, eh bien, c'est la même chose que ce qu'on avait fait au premier étage, donc là, rien de bien nouveau. On a fait une ligne ici, comme il y avait une ligne ici. Et sur le côté, c'est exactement pareil. Voilà, donc comme ça, au moins. Vous voyez, donc les poutres, hein, tac, 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 tout pareil qu'en dessous. Très bien, du coup, il y a deux choses à rajouter sur cet étage-là. C'est à ce niveau-là, ici, vous voyez, donc devant ce pilier-là, tac, tac, ici sur le prolongement de la barrière ici, on va mettre 3, 4, 5, 6 blocs de poutres supplémentaires. On va faire la même chose ici sur le côté de la maison. La barrière en plein milieu ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de hauteur comme ça. Ce sera pour le toit en fait tout simplement. Une fois qu'on a ça, on va juste rajouter deux autres poutres. Hein. Ce sont des poutres qu'il y a au niveau du grand carré central sur les côtés ici. Hop. Tac, et de l'autre côté ici. Donc on va prendre les grands piliers de 16 blocs de hauteur, tac, ici comme ça, et on va les relier entre eux par une grande poutre, hop, et de chaque côté. Hop, voici pour les poutres. Alors, j'en ai profité du coup pour mettre en place les cheminées, les très grandes cheminées, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc ça c'est une cheminée finie, il y en a deux, une de chaque côté du grand carré central, et ici j'en ai mis une en squelette, histoire de montrer comment on fait ça. Donc, on va prendre, on va se mettre au milieu du carré, on va aller dans le coin, ici là par exemple, youp, au niveau du sol, hein. On va aller sur le deuxième pilier à côté, on va compter 1 et 2 blocs et on va mettre notre premier bloc ici comme ça. C'est un bloc d'andésite. Alors moi j'utilise les blocs d'andésite parce que ce sont des blocs quadrillés, carrés, enfin carrés oui mais quadrillés en tout cas, hein, vous voyez on peut vraiment compter les blocs facilement. C'est pour ça que je les utilise moi pour le tutoriel mais pareil comme pour le sol, vous et pour les marches. Vous mettez un mélange ici comme ça, vous voyez, hein, sur la cheminée avec de la diorite polie, des pierres, de l'andésite polie.
Et puis de roche lisse, hein, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus, un peu mieux. Les pierres sont d'un petit peu meilleure qualité que celles du sol, par exemple. On met juste de l'andésite brute, de la diorite brute, etc. Mais voilà, vous faites le mélange de tout ça. Hein, moi, je vais utiliser que l'andésite. Donc voilà, vous prenez le deuxième pilier, comme je disais, un, deux blocs. Vous mettez votre premier bloc d'andésite. Vous en mettez un vers le côté de la maison. Un bloc sur le côté de la maison. Et vers l'intérieur de la maison, vous mettez deux blocs par devant, ce qui vous fait une ligne de 4. Comme ça, d'accord? Sur l'arrière de la maison, vous mettez une ligne de blocs entre ici et là. Ça vous fait 9 blocs de long. D'accord? Et au final, vous refaites votre carré central, votre rectangle comme ça central, avec 9 blocs sur les côtés et 4 blocs sur la profondeur. Ok, les coins, hop, au niveau des coins, ici comme ça, on va mettre 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur, ok, à chaque coin. Puis, on va laisser un trou ici comme ça. Vous pouvez mettre 5 blocs de hauteur pour pouvoir mettre cette ligne-là par exemple. Hein. Après, on enlève. Vous mettez une ligne comme ça d'andésite au-dessus de nos piliers. D'accord, la même chose sur les côtés, hein. Vous avez deux blocs ici comme ça au-dessus, en diagonale au-dessus. Et la même chose de l'autre côté aussi. Ça va être vraiment pour le squelette, vous voyez, de la cheminée. Une fois qu'on a ça, on va venir mettre dans le coin à ce niveau-là, un autre bloc d'andésite. Et on va venir mettre jusqu'à 8 blocs, un pilier de 8 blocs de hauteur en andésite. Ok ? Puis on va sur la diagonale ici comme ça, et on met, vous voyez comme ça, hein, on met, hop, youp, 8 blocs d'andésite encore, hop, en diagonale, paf, et jusque là ça nous fait 7 blocs d'andésite. Normalement vous faites la même chose sur le coin d'en face, tac, 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 et vous avez 3 blocs ici au sommet, d'accord ? Une fois qu'on a ça, on va utiliser des escaliers. Alors on peut utiliser des escaliers en diorite, andésite et tout ça. Encore une fois, on mélange tous les blocs. Hein. Hop, paf, dans les parties comme ça qui montent d'un cran ou qui changent. Hein, vous voyez. Hop, paf ici comme ça aussi. Et ici sur tout l'intérieur de notre cheminée, on va combler évidemment. On va ici voilà, combler complètement la cheminée, hein, bien sûr. Hop, on fera la même chose de l'autre côté si j'y arrive. Donc normalement ici il y a des poutres qui nous empêchent de faire la cheminée comme on veut, donc on enlève les poutres qui gênent, hein. Ça c'est pas un problème. Ici il y a une poutre en plein dans la cheminée, donc bah on l'enlève, c'est pas un souci. Oui, je vous avais dit que du coup Je mettais en place des choses pour les enlever après. Voilà, c'est un exemple parfait de la chose. Hop. Mais c'est normal, tout va bien, tout est sous contrôle. Don't panique. Hop, etc, etc. Hein, vous refaites la même chose qu'à côté. Hop. Hop. Voilà, donc voilà à peu près ce que ça donne, en tout cas d'un point de vue très schématique, hein, n'est-ce pas ? Hop, sur le toit de la cheminée, on va utiliser des murets et des dalles en terre crue. Paf, 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 qu'on met comme ça, hein, des murets partout. Sur, oui, c'est ça, murets. Et on va mettre des briques de terre crue, des dalles de briques de terre crue au-dessus, comme ça. Ce qui, de loin, fait vraiment cheminée pour le coup. Vous voyez, lorsqu'on regarde de loin, les grandes cheminées comme ça, qui dépassent du toit. Ça donne vraiment l'effet que l'on recherche. Et évidemment, pour faire la cheminée qui est déjà faite ici, c'est la même chose. Vous prenez le bloc de coin de notre grand carré central, vous prenez le pilier d'à côté, vous comptez 1, 2, et vous faites notre rectangle de 9 par 4, etc. etc. Là aussi, il n'y a pas de surprise. Ok, maintenant on va commencer avec le toit, hein. On va vraiment le mettre en place. Je vous ai mis vraiment le schéma du toit ici. L'idée c'est qu'on va utiliser les escaliers en chaîne. On va venir ici, vous voyez sur cette partie-là de la maison.
hop, mettre des escaliers sur le côté ici de la, du coin. Hein. Et on va venir en ligne droite, ici comme ça, en diagonale, jusqu'au-dessus de ce pilier central, vous voyez. Donc là, il va falloir rajouter sur le pilier un bloc de planches de sapin avec une dalle de sapin au-dessus. Et hop, vous repartez vers l'autre côté, jusqu'ici comme ça. D'accord. Donc vous avez, ben voilà, hein, tout simplement, pour cette partie-là du toit. L'idée, c'est que on va devoir faire un bloc par devant le, hop, le mur. Oui, on va faire censer cette partie-là hein, du toit. L'idée, ce sera de le décaler d'un bloc par devant le mur aussi, et bien sûr de le prolonger sur l'ensemble de la longueur. Ce genre de fenêtres-là, on les fera après. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on va vraiment faire les grandes parties du toit. Les grandes parties du toit, on les modifiera après. Ici, vraiment sur la côté, sur le la côté. Ouais, je parle très bien la France. Le côté gauche, du coup, le tout à gauche de la maison ici, on va partir de la plateforme. On va mettre des escaliers en chaîne sur le côté ici et roup, tout en diagonale jusqu'au-dessus ici, comme ça. On met une dalle en sapin au-dessus sur le pilier et on redescend jusque sur le côté de notre poutre ici. Vous voyez, la même chose ici, vous voyez, exactement pareil. Sauf que là, on commence vraiment de ce côté-là, on monte jusqu'au haut. Et on redescend sur la poutre. Ok, sur la grande partie centrale, le grand carré central, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment partir de ce poteau ici. D'accord? Qui est aligné avec la courgette. J'ai failli appeler ça la courgette. Non, c'est une cheminée. Hein. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc du coup, on met voilà, des escaliers sur le côté, sur le dessus, et on monte en diagonale. Normalement, les piliers sont dimensionnés de sorte que ça arrive pile poil au-dessus, comme ça. Et jusqu'au-dessus, ici, on met une planche de sapin avec une dalle en sapin au-dessus. On redescend tout jusque-là. Normalement, vous atterrissez pile poil ici, comme ça. D'accord? Tout en diagonale. Alors que sur cette partie-là de la maison, ça va être un petit peu différent, vu que l'on va faire un mur, un toit, partons tout en diagonale, mais dans ce sens-là. Vous voyez? Donc c'est ce toit ici, là, que je pointe. Et vous voyez, donc ça fait un truc un peu différent. Là, c'est tout ouvert sur la façade. Et là, voilà, tout est fermé, hop, de cette manière-là. Ok? Et bien évidemment, après, les toits vont se chevaucher les uns les autres. Hein. Bien évidemment. Donc l'idée, c'est qu'on va partir du coin ici de la maison, je prends un peu de recul, donc ce coin ici et ce coin là-bas, on va partir de ces coins-là et on va mettre des blocs en diagonale, un bloc au-dessus d'escalier, hein. Un bloc en diagonale sur le côté, puis des blocs en diagonale comme ça, tac, 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 jusqu'à mettre au sommet une dalle en sapin, donc vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 escaliers en chaîne, comme ça. Voilà, la même chose de l'autre côté ici. Hein. Hop, les dalles en sapin à ce niveau-là, on peut les prolonger sur... Youp, que je reprenne ma hache en bois. Youp. Sur 8 blocs de long. Hein. Normalement, vous avez un bloc ici de dalles en plus, enfin, qui déborde de la pilier ici, tout simplement. Vous partez du coin à ce niveau-là, vous refaites des escaliers en diagonale jusqu'en haut. Et normalement, vous arrivez ici. Ok, maintenant on va prendre ce grand pilier ici juste derrière la cheminée, n'est-ce pas? Hop, vous mettez une dalle en sapin au-dessus et vous faites descendre des escaliers en chaîne sur le côté comme pour les autres toits évidemment. Hop, et normalement vous arrivez pile dessus ici comme ça. Hein. La même chose de l'autre côté jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur des dalles en sapin. Une fois qu'on a placé ça, il va falloir remplir un petit peu les choses, et même pas que un petit peu d'ailleurs, sauf que on va faire quelque chose en plus, on va rajouter vite fait 3 fenêtres, je trouve plus mes mots. Ici là vous voyez, on va mettre une fenêtre comme ça, hop, alors j'ai cassé le truc mais... Hop, l'idée c'est qu'on va venir encore prendre la dalle en sapin et on va venir la mettre sur... le haut de notre pilier ici, vous voyez, ainsi que des escaliers ici comme ça sur le côté, tac, 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 avec un bloc par devant comme ça, hop, hop, ok, voilà, normalement on l'en met en dessous aussi,
à l'envers. Ok. On va même descendre encore d'un... Ah non, c'est bon en fait. C'est bon, puis on va remplir ça comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, pour faire la jonction entre le toit et la fenêtre ici. Puis après, on remplit comme ça, hein, tout simplement. Hop, paf, 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 etc., etc. Et vous remplissez tout le toit comme ça, cette partie-là aussi. Alors, pour remplir les escaliers dans ce sens-là, vous voyez, tac, 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 en fait, vous allez jusqu'à rencontrer le toit ici, tout simplement. Ici, vous voyez, vous prolongez le toit jusque-là, enfin, en tout cas, jusqu'à rencontrer le toit qu'il y aura ici, hein. Et vous pouvez descendre comme ça. Hop, ok. Alors, voilà. Et ainsi de suite, tac, 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 ici on prolonge. Et une fois qu'on arrive ici, eh bien on fait un angle et on fusionne en fait les deux toitures. Et vous aurez compris, du coup, on remplit ici toute cette partie-là, on va remplir tout ça également. Voilà, ici sur le dessus, on va remplir tout jusqu'à la cheminée, même derrière la cheminée pour coller à la grande partie ici du toit qui va être comme ça et que l'on va prolonger sur toute la longueur de la maison. Vous avez l'idée, là aussi, ici, cette forme ici, pouf, on la prend en short toute la longueur. Hop, ces morceaux de toit ici et là-bas, ça va être la même chose, jusque là et là, jusque là. Donc voilà, c'est parti pour une séance de remplissage. Allez hop, hop. Alors, chose aussi évidemment, hein, c'est que lorsque vous avez fini une partie du toit comme ça, hein, la façade, on va la faire venir à un bloc par devant le mur. Hop, paf, paf, comme ça on rajoute un bloc au-dessus du vide. Hop, et après évidemment on va mettre des escaliers à l'envers en dessous. On prolonge la petite dalle en sapin. Tac, tac. Et des escaliers à l'envers en dessous, comme ça. Hop, paf, 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 paf. Vous voyez, c'est quand même plus joli. Et on va faire ça pour tout. Les bordures de toit, hein, toutes les façades ici, ici, là. Alors là, pour la grande partie centrale, ça sera différent. On va faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Mais pour l'autre partie ici, vous voyez, du toit, là, ça sera pareil. Ok. Allez, on continue tout ça, du coup. Hop. Ok. Donc voilà un peu ce que ça donne avec les toits remplis. En tout cas, juste les trous qu'on avait laissés. Hein. Hop. Alors, on va faire la façade de la grande partie centrale de la maison. Ok, celle-ci va être un petit peu différente du reste. Vu que dans un premier temps, donc là, on est vraiment au niveau de la façade, hein, vous voyez ici. Hein, eh bien, on va prolonger le bas du toit par deux blocs par devant la façade. Ok, hein, donc là, vous avez quelque chose comme ça normalement. Vous prolongez de, hop, un bloc, deux blocs, le toit. Et vous montez comme ça de, donc, 1, 2, 3, 4, 5... 6 et 7 blocs. Et après, au 8e bloc, on remet encore une couche encore en avant. Donc on est éloigné de 1, 2, 3 blocs par devant la façade à ce niveau-là. Et puis après ça, jusqu'au sommet, vous voyez, hop, on a vraiment 3 blocs d'avance par rapport à la façade. Ok, pareil de l'autre côté ici. Puis après, on va hop, remplir comme ça les escaliers, sauf que au niveau des escaliers en dessous, donc les escaliers, on va pas mettre des escaliers à l'envers comme pour le reste des toits, vous allez voir. Hop, voilà ce que ça donne. Et bien à l'envers, en fait, on va rajouter sur les premiers blocs, vous voyez qu'il y a directement collé à la façade, on va mettre des planches de sapin. Hop, directement. Tac, 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 comme ça. Hop. Jusqu'ici, et puis seulement au-dessus, on va rajouter des escaliers en sapin. Hop. En dessous, je devrais dire, plutôt. Hop, des escaliers en sapin comme ça. Hop, 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 hop. Ok. Voilà ce que ça donne. Et du coup, on va utiliser les escaliers à l'envers classiques de chêne, hein, pour les mettre
en dessous les autres parties du toit de manière plus classique. Et vous allez voir que, hop, dès lors qu'on va s'éloigner un petit peu, ça va rendre beaucoup mieux. Hop, hop, comme ça, vous voyez. Ça nous fait comme une deuxième couche de toit, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser des bûches de chêne. On va venir au rez-de-chaussée ici, vous voyez, sur toujours la partie centrale ici, hein, vous voyez donc tout le grand pilier ici. Youp, on va jusqu'au sol, on en met un deuxième pilier sur ce côté-là, qui va se prolonger tout jusque ici, jusqu'au toit, hein. Ok. La même chose de l'autre côté, donc là on est vraiment partie centrale, le grand toit, le pilier d'à côté. Hop. La même chose de l'autre côté du coup. Comme ça, vous voyez. Et en plus de ça, on va rajouter sous le toit directement 1, 2, 3 blocs de bûches de chêne. D'accord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque hop, partie du toit. Hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, jusqu'en bas. Ok, voilà, une fois qu'on a ça, en fait, on va utiliser les haches, une hache, n'importe laquelle. Hop, et on va, à partir de cet étage-là, d'accord, on va enlever, on va écorcer, en tout cas, tous les bûches de chêne qu'on vient de mettre. Tac, 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 tac. Hop. On va même mettre les bûches de... les, comment dire, les grands piliers ici, comme ça, vous voyez. C'est les grands piliers ici. On va les écorcer aussi. Pas ceux de tout en bas. On va vraiment faire que sur l'étage. Hop, vous voyez. Là, ici, pareil, tac, 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 tac. On écorce tout ça. Yep. Comme ça, ça donne un côté un peu plus classieux. Yup. Et on fait ça rapidement. Yup. Yup. Hop. Alors non. Hop, voilà. Ok. Voilà ce que ça donne du coup au niveau de la façade. Donc c'est déjà un petit peu plus travaillé, un petit peu plus sympa. On va rajouter les murs aussi maintenant, donc on va utiliser les planches de chêne. Voilà les planches les plus classiques. Et on va venir à l'intérieur de la maison, mettre un grand mur ici, hop, sur les côtés de la cheminée. Normalement pour vous, elle est remplie la cheminée, hein. Moi j'ai des grands trous, mais vous devriez avoir ça, de chaque côté. Hop, tac, 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 ici comme ça, vous voyez. Et donc toute une ligne du bas, et en fait tout ce grand mur ici qu'il y a autour de la cheminée, et ça sera la même chose de tout le grand mur qu'il y aura autour de l'autre cheminée, on va le remplir complètement en chêne. Hop. Voilà ce que ça donne du coup. Alors on va rajouter une ouverture ici dans ce mur là, hop, sur deux blocs de trois blocs de haut. Voilà, et on va faire la même chose avec ce mur ici. Et même sous la toiture. Alors c'est vrai que ça, je vous ai pas dit pour la toiture, mais en gros, sur cette partie ici, par exemple, de la toiture, hop, vous avez des parties comme ça qui se prolongent sur l'ensemble de cette toiture-là, donc ça c'est normal, qui vient après faire un coude ici pour repartir après en arrière sur l'autre toiture ici. Ça, c'est ce qu'on a lorsque les toitures se chevauchent les unes les autres. Donc ça, c'est un petit peu la partie technique qu'il faudra bien faire. L'idée, c'est juste de voilà, chaque toit se prend le dessus les uns sur les autres. Ok, par devant ici, c'est exactement la même chose que ce que je vous avais déjà montré, sauf que ici, hop, entre les deux piliers centrales, hop, ici et là, on va faire une ouverture comme ça en triangle au-dessus de cette partie du toit, et on va faire une fenêtre. Ok. Donc vraiment, vous avez les hauts ici, les coins des piliers comme ça, visibles. Et on va venir mettre, hop, des escaliers comme ça. Tac, 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 tac. Alors ici, on va faire ça comme ça, comme ça. Voilà. Ok, voilà.
dupe. Avec une planche de chapin, une dalle de sapin ici, comme ça on met des escaliers en dessous, comme d'habitude. Et ça nous donne, voilà, une petite fenêtre, ma foi, toute sympathique. Le reste des toits, à mon avis, ça vous posera pas trop de problèmes. Hop. Ok, donc, le mur, ici, on va le faire de la même manière que de l'autre côté. Hop, et on va mettre une ligne de bois, ici, tac, tac, jusqu'à l'autre côté, tac, ici, tac, tac. On va faire juste une ouverture dans cette partie-là. Hop, comme ça, et puis sinon tout le reste, hop, on va le combler de cette manière, en fait, sur toute la surface, ici, 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 ici aussi, de chaque côté de la cheminée, de l'autre côté, etc, etc. Allez. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va rajouter une partie à l'arrière de la maison. Ok, donc là, on a vraiment l'arrière. Et on va rajouter un balcon, comme on a, vous voyez, là-bas. Hop, là-bas. Eh bien, on va le rajouter ici. Hop, vous prenez cette partie-là, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5 bûches, comme ça. La même chose sur le nœud à côté. Hop. Ok, voilà, et on va les relier entre eux. Hop. Une fois qu'on a ça, on va reprendre les bûches, les planches de chêne, pardon, et on va remplir complètement, hop, ces espaces ici, mais on va aussi remplir complètement l'ensemble, hop, du premier étage, en fait. Vous voyez, toute cette surface-là aussi, tac, 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 sur toute la surface ici, on va rajouter des ouvertures à ce niveau-là pour accéder aux autres parties de la maison, hop, et ici aussi, vous voyez, hop, ici, ici, sur toute la surface, hop, là aussi, tiens, je devrais mettre, voilà, ici aussi, à l'intérieur de ce carré, de partout, hop, vous voyez, et la même chose de l'autre côté, ici, et bien voilà, pareil, là, on va rajouter un plancher, ici, là, pareil aussi, ici, ici, alors non, pas ici, mais là, vous voyez, dans les deux carrés, ici, et voilà, partout, partout. Ok, let's go. Hop, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit vraiment que la maison avance vachement. Hein. D'ailleurs, je vous l'avais pas précisé, mais ça me semblait évident. Ici, sur le balcon à l'avant de la maison, eh bien, on va remplir les trous aussi. Ok, maintenant, on va continuer les murs. Et vous voyez ici, là, sur certaines parties du toit, eh bien, cela colle avec ici des murs à ce niveau-là. Vous voyez, et donc bah, ces parties-là, on va les remplir avec des planches. Hop, hop, comme ça, hein, vous voyez, comme ça, on s'embête pas. C'est la façon la plus simple, hein, vraiment, de faire. Youp, ici aussi. Hop, comme ça. Et puis, le reste, on le fera en vitres. On mettra des vitres partout. Alors, sur cette partie-là, à l'arrière de la maison, d'ailleurs, on va rajouter des bûches de chêne sur les côtés, ici, comme ça, sur lesquelles on va enlever l'écorce. On va faire des bûches écorcées pour donner un côté un peu plus sympa, un peu plus stylé. Vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Youp. Et tout le reste, on mettra en vitre. Ici, je vous montrerai après comment on fait l'arrière de la maison. Et vraiment, tout le reste ici aussi, ça sera des vitres vraiment partout, hein, comme vous avez pu le voir sur le modèle. Et on va enlever les écorces ici aussi, d'ailleurs, comme ça. Ok. Est-ce qu'il y avait sur la partie centrale? Oui, sur la partie centrale ici aussi, donc en dessous de la fenêtre à ce niveau-là. Tac, 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 jusque là, on enlève les écorces aussi. Ok, on va rajouter un mur en planche de chêne, ici, comme ça. Et après, il faudra faire vraiment le dessous de la maison, je pense vraiment le bas. Et pour ça, on va faire une chose assez simple. En fait, on va rajouter une ligne de planche, ici, sur toute la
longueur de la maison, sur tout le contour de la maison, hein, au niveau du bas uniquement, du rez-de-chaussée. Tac, 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 comme ça, hein. Hop, ici, alors bah voilà, là on est de l'autre côté. Normalement vous avez fait la même façade que de l'autre côté, donc vous avez des bûches ici. Hop, voilà, sur la longueur et de l'autre côté aussi, hein. Hop, tac, 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 tac. Et on va rajouter donc des planches comme ça, tac, 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 sur toute la largeur. Hop, la même chose ici, on enlève, enfin on met tout ça ici comme ça. On prolonge. Alors ici, on arrive sous l'espèce de préau qu'il y a à ce niveau-là. Et donc ici, ces deux parties-là, ces deux carrés ici, on va entièrement les murer. Hop. Hop. Ok, la même chose à côté. Voilà. Et après, sur toute la longueur ici, on va rajouter une ligne de blocs sur le plafond. Hop. Donc voilà, on a fait la ligne. Une fois qu'on arrive là, on va mettre un mur. Comme ça. Ok. On arrive ici, donc on remet une ligne de blocs comme ça. Et on arrive là où on était au départ. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va utiliser les escaliers en sapin. Et on va faire des supports. C'est-à-dire que on va venir ici, là, sur les piliers, et on va rajouter au-dessus de chaque pilier, en haut, des escaliers à l'envers, comme pour soutenir le toit. Tac, comme ça, tac, tac, vous voyez. Hop. Ici, on va mettre des supports aussi. Alors, on a déjà des piliers, mais c'est pas grave, on a envie d'en rajouter d'autres, parce que ça fait joli. Du coup, hop, on va rajouter des escaliers à l'envers comme ça en diagonale pour pouvoir faire un support de plus à la maison. La même chose ici de l'autre côté, hein, tac tac. Youp. Ok. Et on va continuer, on va faire la même chose ici. Vous voyez, paf, 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 paf. Yep. Et yep. Et on fera la même chose ici de l'autre côté, hein, comme ça. Hop. Sinon, je pense qu'on est plutôt bon. Le reste, du coup, tout le reste là des trous qu'il y a dans la maison. Ici, tous les trous ici. Hop. Pareil, les trous qu'il y a là. Hein. Là, pareil, tout ici, là. Eh bien, on va mettre des murs. Des vitres, pardon. Des vitres absolument partout. Je pense que c'est ça vraiment la grosse caractéristique architecturale de la maison. C'est vraiment, il n'y a pas de mur en fait. Il n'y a que des fenêtres. Des fenêtres immenses partout comme ça. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, allez, pourquoi pas. Hein. Hop, allez, let's go. Hop, bon, au final, vous mettez les vitres partout. Moi, pour la vidéo, je vais avancer histoire de vraiment montrer des choses. Alors, j'ai reproduit du coup cette façade de la maison à l'arrière de la même manière que ce que je vous avais montré à l'avant, d'accord? Donc une fois que l'on a ça, on va partir du haut du... On va partir du balcon ici, on prend ce pilier là, on monte jusqu'ici au niveau des poutres, vous voyez, on place une dalle comme ça, une dalle de chêne, on met une autre dalle sur le côté et puis une dalle au-dessus, puis après on monte en escalier comme ça, tac tac, vous voyez. Puis jusqu'au pilier central, puis après on redescend de l'autre côté. Hop, hop, comme ça. Et vous avez ici votre début de toit. En fait, on va utiliser cette forme-là pour la prolonger le long de la longueur du balcon en dessous. Hop, 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 comme ça. Ici. Voilà. Hop, hop. Hop, 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 vous avez compris l'idée. Hop. Alors voilà à quoi ça ressemble à la fin. Vous voyez, donc on prolonge ça sur les 5 blocs de longueur. Sauf que sur le tout dernier bloc ici, vous voyez, on enlève les blocs, en tout cas les dalles qu'il y a en dessous. Vous voyez ici comme ça. Ça, ça va nous permettre en fait de reprendre les barrières en chaîne comme ça. Vous voyez, d'aller sur le coin ici des balcons. Paf, paf,
paf, paf, et de rajouter des barrières en chaîne jusqu'à toucher le toit ici, comme si cela les soutenait. Hop. Alors que bon, techniquement, on est sur Minecraft, les choses volent dans les airs tout seul sans aide, mais bon, on va mettre des piliers quand même. Hop, voilà un petit peu les histoires. Donc, on va rajouter une barrière en chaîne ici, ainsi que ici, 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 espacé de deux blocs à chaque fois, vous voyez, comme ça. Et on va utiliser des portillons en sapin pour les mettre entre, vous voyez, comme ça, tac, 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 tac. Tac, 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 ok, comme ça, ça nous fait une barrière un petit peu plus sympathique, et on va rajouter encore en plus des tapis marrons, hop, pour les placer par-dessus, ah oui, alors du coup, il faut se mettre en accroupi dans les airs, en tout cas si vous êtes en mode créatif, pour pouvoir placer les tapis sur les portillons plutôt que de les ouvrir, tac, 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 ok, et voilà ce que ça nous donne une barrière, ma foi, fort sympathique. Vous voyez? Et il faudra faire la même chose par devant la maison. Je vais vous montrer ce que j'avais fait du coup sur la première maison ici. Hop, vous voyez? Donc des barrières qui prolongent les barrières qu'il y a en dessous. Comme ça, des portillons entre, des tapis par-dessus. Et ça nous fait la barrière de... Ça nous fait la barrière, quoi, tout simplement, du balcon. Ok, donc maintenant ce qu'il va nous falloir faire, ce sont les toits du premier étage, parce que oui, il y a des toits au niveau du premier étage, hein. Comme je vous ai peut-être pas montré encore, ici, là, vous voyez, même si c'est plutôt des préaux, on va les faire en dalles, dalles en chêne, dalles en sapin, vous voyez, comme ça, hop, et on va faire pas tout à fait le tour de la maison, mais vous voyez, on va aller quand même assez loin. Ok, vous allez prendre vos dalles en sapin, on va prendre ici le... comment on appelle ça? La terrasse à ce niveau-là. Vous prenez ce coin ici et vous mettez une dalle ici. Ok? Puis une autre ici comme ça sur la diagonale. Puis une autre comme ça. Ok? On va rajouter des dalles en chaîne comme ça. Hop! Jusque là où dans les coins on va mettre des dalles en sapin. Hop, comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 que, tac, 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 voilà, etc, etc. Et l'idée, c'est qu'on va refaire la même chose entre chaque coin, tout simplement. Ici, ce sera la même chose sur toute la longueur, hein, tac, ici, comme ça, puis après, on va jusque là, et hop, tac, tac, et faudra remplir de chaînes, tac, ici, jusque le mur qu'il y a ici, hein, vous avez bien compris l'idée, hop, hein, tac, 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 youp, etc, etc. Ok. Donc voilà, c'est très simple à faire. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on va les faire, tout simplement. Hein, puisque là, vraiment, il n'y a vraiment aucune complication. Alors, on va même en faire... Alors, j'en ai fait 3 mois de mon côté sur le modèle. Sauf que là, je vous en avais vraiment fait 4 carrément. Donc, on en fait un en plus en dessous. Vous voyez, 1, 2, 3, 4... Vous en faites un en plus. Donc ici, pareil, sur le côté de la maison à l'arrière, vous en mettez un ici. 1, 2, 3, 4. Hop, vous allez jusque le pilier ici. Vous allez, vous mettez 4 dalles de sapin en diagonale et vous revenez jusqu'au balcon qu'il y a ici. On n'en met pas de l'autre côté. On reprend à ce niveau-là et on en met jusqu'ici, vous voyez. Jusque, évidemment, la toiture à ce niveau-là. Et puis, c'est bon pour, en tout cas, pour le toit. Il y a juste une dernière chose pour le toit, c'est comme vous pouvez le voir ici sur le dessus. Eh bien, j'ai mis tout un espèce de quadrillage, enfin pas du tout un quadrillage, un espèce de dégradé avec des escaliers en sapin sur le toit. Et ça, je trouve ça assez stylé comme astuce. Donc, pour faire ça, il va nous falloir utiliser des escaliers en sapin, hein, comme son nom l'indique. Et on va mettre des escaliers en sapin de manière assez aléatoire. Hop, sur le haut du toit. On en met pas mal sur quasiment le sommet. On va mettre quasiment un bloc sur 3 en sapin. Puis plus on va descendre, plus on va mettre. Enfin, moins on va mettre d'escaliers en sapin. D'accord? Vous en enlevez un ou deux à chaque fois, à chaque ligne. Hop.
Et puis, alors, je devrais peut-être me mettre là plutôt que là. Paf, 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 paf. Et on recommence ici. Voilà, alors en évitant de les mettre à l'envers. Hop. Hop. 3, puis ici on va en mettre 2. Hop. Ici on va en remettre 1. Et on en met de moins en moins, plus on descend. Hein. Hop. Ici comme ça. On en met un ici peut-être, et puis voilà. Voilà ce que ça donne en essayant de les mettre de manière un peu aléatoire. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mis toute une ligne de 4 blocs. Alors, ce n'est pas spécialement voulu. Ça, c'est plus fait comme ça. Mais voilà, on va essayer de casser ça un petit peu. Et il faudra faire la même chose, évidemment, de l'autre côté de la toiture. On va revenir aussi sur ce toit ici, vous voyez. Et au-dessus de ce toit, à ce niveau-là, ici, on va rajouter une petite fenêtre. Donc je vous invite à prendre des dalles en sapin. Comptez 1, 2, 3, 4 blocs. Ok. On va faire une petite fenêtre comme ça. Hop, hop. Hop. Alors non, pas ici, comme ça. Ici, ici, ici. Paf, 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 paf. Paf. Paf, paf, paf. Donc voilà, c'est une toute petite fenêtre, mais qui donne un petit peu de relief à la maison, et qui, ma foi, est tout à fait sympathique. Ok, donc pour la toiture, on est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le rez-de-chaussée. Vous savez que j'ai commencé la toiture avant le rez-de-chaussée, c'est pas tout à fait commun, mais enfin, ça marche bien quand même. Donc, je vais mettre une petite potion de vision nocturne quand même. Hop. Alors, comment on fait? On la boit, celle-ci. Ok, donc pour le rez-de-chaussée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le sol, d'accord, de la maison, entre les piliers, comme ça. On va changer tout le sol. Ok, donc voilà, donc j'ai creusé sur tout la surface de la maison. Et voilà ce que ça donne. Donc l'idée, c'est qu'on va déjà mettre, même sous les cheminées et tout, on va déjà prolonger de un bloc tous les piliers en bois ici comme ça, vous voyez, donc de un bloc dans le sol finalement. Tac, voilà, tac, tac, que. On va les prolonger d'un bloc, hop, hop, ok. Donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va utiliser des escaliers en sapin et on va venir les mettre comme ça dans le sol aussi. Hop, tac, tac, tac. Entre les piliers, tout simplement, entre l'intérieur de la maison et l'extérieur, on va vraiment mettre ce bloc de délimitation. Hop, 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 vous voyez. Et voilà, donc comme ça, hein. Sauf que on va le prolonger vraiment sur toute la longueur, ici, voilà, là-bas, ici, ici, youp, ici sur toute la longueur, tac, 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 on va en mettre des escaliers de sapin dans le sol, ici aussi sur toute la longueur. Hop, voilà, ici pareil, partout. Allez, let's go. Ok. Donc voilà, hein, tac, tac, partout. Et donc, maintenant qu'on a ça, eh bien, l'idée, c'est que l'on va remplir toute la surface du sol maintenant avec des planches de chêne. Allez, hop. Hop, voilà, donc du coup, tout le sol a été mis et au final on voit que bah, ça rend quand même mieux sur la maison. Il reste deux choses à faire pour vraiment finir la maison, en outre le fait que je n'ai pas mis les vitres, mais vous devriez l'avoir fait de votre côté. On va utiliser des enclumes et on va les mettre devant chaque pilier en barrière en bois. Tac, 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 ça va servir de pot de fleurs en fait. Donc on va rajouter des feuilles, ici j'ai pris des feuilles d'acajou parce que je trouve que ça rend mieux. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille. Peut-être pas les feuilles de bouleau ni les feuilles de spruce. Donc en français c'est les sapins. Ça on va éviter parce que c'est un petit peu terne. Voilà ce que ça donne. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est l'escalier. Les escaliers pour monter au premier étage. Enfin en réalité le seul étage qu'il y a vraiment. Hein, parce que le reste c'est juste qu'on a une hauteur sous plafond complètement folle. Parce que j'aime beaucoup les hauteurs sous plafond. Comme il faut. Bref, du coup, on est sur cette partie-là de la maison. On vient ici, à côté du poteau. On ouvre sur 4 blocs. Paf, comme ça. Et on ouvre sur ce qu'il faut.
On met deux escaliers ici, puis deux en dessous. Puf, puf, paf, paf, pouf, pouf, boum, boum, etc, etc. Oui, je sais qu'il y a certains parmi vous qui mettent des commentaires comme quoi ils aiment pas quand je dis paf, paf lorsque je pose des blocs. Bah, je vais continuer quand même, hein, sans vouloir vous vexer. Hop, on rajoute des bûches de bois sur le côté de notre escalier, comme ça. Youp. Youp. Paf, 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 paf. Est-ce qu'il y a la place pour passer? Oui, pour un petit peu plus d'élégance, on va rajouter une ouverture ici, comme ça. Voilà, de sorte qu'on va faire une ouverture de 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de longueur sur 4 blocs de large ici pour faire un escalier. Ok, on va faire un deuxième escalier parce que rien n'est... On va faire un deuxième escalier, voilà, je voulais faire une citation un peu stylée mais j'ai pas réussi. On va ouvrir de 4 blocs juste à côté de ce pilier là, vous voyez. Et on va ouvrir donc de 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Voilà, du premier coup. Ici comme ça, n'est-ce pas? Et puis on va faire des escaliers ici, comme ça, et on va les mettre jusqu'au plafond, jusqu'au sol. Comme on a fait juste avant, hein, évidemment. Hop. Voilà, je vous le refais pas. Vous avez compris, c'est la même chose. Paf, paf, paf et paf. Ok. Donc, finalement, il nous reste des petits détails à finir sur cette maison. La maison elle-même, on va dire, elle est finie. Il nous reste, voilà, les petits détails. Ici, on va rajouter une espèce de petite... Une espèce de pot de fleurs géant, on va dire. Ça n'est pas vraiment pot de fleurs, vu qu'il y a un arbre dedans, mais... Voilà, une sorte de pot de fleurs. On va utiliser la cobblestone. Et l'idée, c'est que vous fassiez une espèce d'ovale, un peu forme patatoïdesque. C'est un mot que je viens d'inventer. Pour pouvoir avoir une forme un peu comme ça. C'est-à-dire que je vais pas vous donner exactement les dimensions, parce que là, ça n'a pas beaucoup de sens, étant donné que personne n'a la même falaise ici en dessous. Mais en gros, ici, vous avez 11 blocs de large. Vous mettez ça dans un coin, enfin dans le coin à peu près par là, quoi. Sur une forme ovaloïde, en forme de patate, sur 11 blocs de large et de... Combien ? 9 blocs de long, ici, comme ça. Avec, voilà, en essayant de faire des lignes de peut-être 6 blocs ici de cobble. Là, il y en a 3 ici, 2 et 2, puis 3. Voilà, donc c'est une forme possible que je vous propose ici. Et l'idée, c'est que l'on va combler, on va rajouter des blocs ici comme ça, de manière aléatoire, de tuf, de diorite, hop, de tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui fait... tout ce qui fait bien, et on va rajouter une deuxième couche au-dessus, hop, pareil, en mettant des blocs aléatoires, hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque de la stone classique? Hop, en faisant en sorte que voilà, ça reste une forme naturelle, aléatoire, tout ça. Voilà, donc on a ce genre de choses et on va rajouter une couche d'herbe à l'intérieur. Tac, tac. On enlève ça d'ailleurs. Hop, voyez l'histoire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait, il nous reste finalement que les petites finitions que je vais vous montrer du coup sur la première maison. Ok, donc ici, hein, sur notre pot de fleurs géant, on va rajouter tout simplement une bonne de rosier sur le fond du pot de fleurs, avec voilà un espèce de grand arbre en plein milieu. L'idée, c'est d'essayer de mettre un big tree. Vous voyez, sur Minecraft, il y a des arbres classiques qui font 5-6 blocs de hauteur, et il y a des arbres plus grands comme ça. L'idée, c'est d'essayer vraiment d'en avoir un grand. C'est pas forcément facile à obtenir du premier coup, mais voilà, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de faire. Ici, on va rajouter une petite table de pique-nique avec deux piliers de table, on va dire ça comme ça, avec juste des dalles ici, vous voyez, comme ça sur le côté, des dalles en bouleau pour avoir une table bien blanche. Des escaliers en bouleau comme ça disposés autour, avec un bloc d'espace,
par rapport à la table, hein, vous voyez ce que ça donne du dessus. Et alors l'intérêt de ça, c'est de rajouter des portes en sapin derrière les escaliers pour donner des accoudoirs. Et en même temps, ça donne pas mal de contraste, vu que comme le bouleau est très blanc et le sapin est beaucoup plus sombre, ça donne un siège assez sympathique. Ça donne une terrasse vraiment esthétique, je trouve. Sinon, pour les autres parties, je pense que je vous ai déjà montré tout ça. Me semble-t-il qu'on est bon. Je vais vraiment finir par... Alors ici, évidemment, encore une fois, les ouvertures pour les vitres qu'il y a au niveau de la terrasse, c'est qu'on fait une ouverture de 3 blocs de hauteur hein, sur les fenêtres. C'est qu'au niveau de l'intérieur de la maison, vous voyez, dans le prolongement des piliers comme ça, eh bien, on va rajouter sur le toit directement des planches de sapin. Comme ça, hein, vous voyez, directement sur le toit, en dessous. Et ce, sur toute la longueur du toit ici, comme ça. Et on rajoute des escaliers en sapin par-dessus. Tac, 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 comme ça, sur toute la longueur. Et ce qui nous fait une charpente, en fait. Vous voyez, dans le prolongement du pilier. La même chose là-bas, dans le prolongement du pilier de l'autre côté de la cheminée. Tac, tac, comme ça. L'idée, en plus de ça... c'est que au centre ici de notre toit, de notre plafond je devrais dire plutôt, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs de chêne sur lesquels on va faire pendre des champilampes de cette manière là. Vous voyez, on en met, ça fait 6 champilampes comme ça. Puis on remet 1, 2, 3 et 4 blocs de chêne et on remet un autre, une autre boule de champilampes finalement pour faire un lustre. Enfin, deux lustres, du coup. Comme ça, ça nous fait un petit peu de lumière à l'intérieur. Et puis, voilà. Ah oui. Chose intéressante aussi, que j'aime bien, je vous avouerai. Sous le toit, ici, faire pendre des chaînes comme ça, avec juste des petites lanternes au bout. Moi, je trouve ça très sympa. Ça donne un côté très cosy à la maison. Donc, ici, vous prenez votre bord de toit. Vous comptez 1... 2, 3, 4 blocs d'escalier à l'envers du coup en chaîne et vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de chaîne avec au bout une lanterne. Vous faites exactement la même chose avec 1, 2, 3 blocs à côté, 6 blocs de chaîne, une lanterne, 1, 2, 3 blocs à côté, etc. jusque au sommet. Et ça vous fait une espèce de petite ligne comme ça de lanterne. Pour la maison. Voilà, sur ce, je pense vraiment que là, on a fini avec cette maison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou autres, dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus tôt possible, de la meilleure façon possible, si je peux. Si jamais, évidemment, la question n'a pas été répondue dans la vidéo elle-même. Et sur ce, je vous souhaite à tous... un très bon jeu, bon vent matelot, à la prochaine pour des... Oui, j'ai changé de skin en cours de route, ne vous inquiétez pas. Pour des maisons plus petites, je vais faire une série de maisons beaucoup plus petites lors des prochaines vidéos pour aller plus vite vraiment dans ma publication, parce que cette maison-là m'a pris quand même beaucoup de temps, je vous avouerai. Donc pour les prochaines, ça va aller plus vite. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.